Jeudi soir, s'il y a des gens qui ont du merch Ratus, bon après ça sera la soirée de pompons, donc mettez le merch des fleurs, mais. Quoi? Ah, je suis pas connectée à mon compte Xbox. Mais si, c'est moi, c'est Norita Ultia. Vous voilà de retour, bienvenue. Bienvenue les Men in Black. Je vois qui du coup jeudi soir au concert? Le Horatius et le Baf Fleury. Xbox! Tu pourras pas être là, Netza? Ah non, Wailis, pardon, j'ai vu un pseudo violet clair, j'ai cru que c'était Netza. Il faut qu'on se reconnaisse entre Horatius. Déjà, Céline a dit que j'avais choisi mon camp lors du Frames. Ah bon, pourquoi? Pourquoi elle a dit ça? Tu avais essayé Hospital? Non, j'ai pas essayé BBQ2 Point Hospital. Amusez-vous bien les petits chanceux. Moi j'y serai trop bien. Moi j'y serai. Tabi, mes vies, je vais voir. Mes vies, je la vois plus que ma propre famille. Moi, si la SNCF veut bien, bah, j'espère. Oh non, tu travailles, Sim Nico, trop dommage. Je vais voir Hanson, le BG, je ne vais pas m'en remettre. Personne ne s'en remet, hein, Warfus. C'est difficile de se remettre de l'avoir vu. Merci Vissurus pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci. Putain, j'en reviens pas de ce petit rat quand même que Epi m'a offert. Il est trop mignon. Il a un peu le format d'un troum troum. Il est trop mignon. Il est trop chou. Il sent bon, oui. Bisous, câlinés. Oui, il sent bon. Bah, en même temps, il était enrobé dans plein de bougies qui sentent super bon. Donc forcément, il sent très bon. Ça m'étonnerait pas que Épile est un petit peu pipchide non plus, tu vois. Trop chou. Il est trop mignon. Je dis que j'étais une Ratus et que j'avais aidé les Ratus à se retrouver sur le Discord. Ah! Choose your... Elle a choisi son camp, ma vie. Elle a choisi la victoire. Certains objets débloquables ne sont pas débloqués. Les objets débloquables suivants étaient disponibles lorsque la sauvegarde a été créée, mais ne sont désormais plus disponibles. Reine des stars. Quoi? Pourquoi? C'est moi la reine des stars. Bisous, Mister M. Miton University est accessible. Ok. Je sais pas ce que c'est. La reine des stars n'est plus disponible. Moi, j'aurai mon pyjama chicos devant mon écran. J'ai hâte, Berzou. Faut que tu te reconnectes à ton compte en bas. J'ai eu ça aussi. Ouais, mais c'est bizarre, attends. C'est Norita Ultia, il y a marqué. La reine des stars, c'est pas les WC en or. Mais si, peut-être. Attends. Menu. J'ai plus mes chiottes en or? Ah oui, je suis déconnectée. Oh, bah je me rappelle plus. Nom d'utilisateur. Ah bah si, j'ai trouvé du premier coup. Wouah, Hackerman. C'est mes chiottes en or qui avaient disparu. Ah voilà pourquoi j'ai jamais fait ça, je me démerde avec mes chiottes de pauvre. Bon alors la dernière fois on avait débloqué les 2 étoiles sur Piazza Lanatra. Donc Two Point Campus est un jeu de gestion. Des bisous à Savinae. Où vous avez votre propre campus et vous faites en sorte que vos étudiants soient heureux et qu'ils puissent apprendre correctement. Donc on a déjà fait Freshly Meadows qui est le premier campus, on avait eu une étoile
Et on a eu 2 étoiles à Piazza Lanatra, qui est le deuxième campus, qui est un campus de cuisine. Je suis plutôt partante pour voir ce que c'est Miton University, qui est une université historique qui cherche une personne capable de la mener à l'époque actuelle en inaugurant un campus moderne sur ses terres saintes. Il est complètement sur le Game Pass. Je joue d'ailleurs sur la version du Game Pass, si jamais. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre très cher Moderatus Arteras. Mitten University is an amazing place. I've only been there once, just went for the afternoon. It's pretty confusing though. There's so many different c'est un lieu déroutant. Buildings. I was lost in its winding corridors and... J'ai mis plusieurs jours à me faire à ces couloirs sinueux et ces bibliothèques caverneuses. Une expérience troublante, mais je dois l'avouer, des plus pittoresques. But I must say... J'ai 3 étoiles sur tous les campus sauf les 3 derniers. Ça doit être dur. Allô? Waouh! Bienvenue à Miton University, où la vieille institution échange ses gargouilles contre des gigaflops. Mais... C'est le The Evans. Et développe le premier robot totalement opérationnel. Les installations anciennes de l'université sont peut-être agréables à l'œil, mais elles sont loin d'être idéales pour la recherche de pointe. Faites-vous un nom en construisant le campus moderne que Miton mérite. Oh là là, cette cour intérieure. Oula. J'ai plus les contrôles. Voilà. Cette cour intérieure est sublime. Par contre, on chauffe littéralement les rues avec ce radiateur d'extérieur. Là, c'est abusé. Hein. Il a eu le droit à sa musique, j'espère. Bah, je l'ai pas vu dans le chat, je crois. Non, je le vois pas dans le chat. La cour intérieure m'a fait vriller. Ah ouais? Pourquoi? Terrain 2, ça sera pour plus tard. Bonjour, je m'appelle Sophie, fondatrice de Bungle Technologies. J'ai entendu dire que vous vouliez construire un robot. Je sais ce que c'est, l'université m'a demandé de vous aider, mais je ne vais pas le construire à votre place, ça serait de la triche. D'accord. Allons bon. Il faut qu'on construise un amphithéâtre, une salle de construction robotique et il faut qu'on embauche un pédagogue en robotique avant de lancer l'année scolaire. C'est joli, mais c'est insupportable pour agencer les pièces. J'imagine que ça doit être terrible. Gérons les formations. Donc, il y a une formation en robotique. Très bien. Du coup, il faut que je mette en place un amphithéâtre. Donc, on va le mettre, tu vois, genre là. Ok. Bon épisode Warfuse de House of Dragons. Oh là là. Alors, je spoil pas, hein, vous en faites pas. Mais en ce moment, je suis à fond la caisse sur House of Dragons. Je trouve que c'est trop bien. Le dernier épisode m'a laissé vraiment... genre, j'avais trop envie d'avoir la suite, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Donc, j'ai hâte de le regarder ce soir... également. Voilà mon petit amphithéâtre. Donc, une fois que j'ai fait ça, hop. Et en fait, c'est très pratique parce que dans Two Point Campus, par exemple, là, tu vois, si j'ai envie de refaire un amphithéâtre, j'ai juste à dupliquer la pièce. Alors, c'est pas du tout ce que je viens de faire. Vous sélectionnez la pièce en entier et vous faites genre... copier. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop bien fait, en vrai. Mais là, franchement, ouais... House of Dragons, c'est vraiment, vraiment stylé, je kiffe. Bon, on a fait un petit amphithéâtre pour nos étudiants. Et maintenant, il faut que je fasse une pièce de construction robotique. En général, c'est des grandes pièces, ça. Donc, on va peut-être se mettre genre là.
C'est 6 par 6. Pourquoi ça marche pas? Bah c'est bon. Pourquoi ils disent que la salle est non atteinte? Ah putain, c'est à cause du bouquet là. Donc c'est du 6 par 6. Donc c'est ça, la taille minimum. Mais je pense qu'on va faire... ça. Hop. Parce qu'en général, c'est vraiment des salles où on a besoin de place. Ok. C'est W. Ouais, voilà. On va mettre une poubelle. J'ai pas mis de poubelle dans l'amphi. Hop. Je pense que je peux... voilà, on va mettre un peu de déco. Pièces, l'âge, ça c'est des pièces. Ok. Vous allez voir, une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra lancer l'année scolaire. Ah, c'est horrible, ça s'aligne pas. Bye Valeras. Warfus m'a chauffé, je vais aller regarder aussi, je suis en télétravail. Et alors, à tout à l'heure. Mais ça se décale tout le temps, c'est ingérable. In the news today, okay. I seem to have sat on something sharp. We're not sure exactly what it is or what the consequences might be, but we'll update you as soon as we... voilà. Can you see it? Look at that. Is it in me? Tell me it's not in me. Une machine comme ça aussi. Capacité d'apprentissage. Ça augmente ma capacité d'apprentissage. Si je mets des machines comme ça pour que mes élèves travaillent. Voilà. Ok. Hop. J'ai pas mis celle-là non plus. Moi quand je joue, allez on fait cette salle vite fait et ensuite pour la prochaine on fait ça, puis ça, et deux boîtes ne sont pas alignées. Oui, c'est stressant. C'est stressant, là. C'est pas aligné non plus. À l'aide. Ça, je l'ai déjà mis, en fait. C'était celle-là que j'avais pas mise. C'est elle. Voilà. Ok. Là, mes élèves pourront bien travailler. Juste... faut que je décale. Pour mettre le gel antibactérien. Et peut-être la plante. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, il faut juste que j'embauche un pédagogue, donc Béatrice Spong. De toute façon, il n'y a qu'elle. Elle se déplace lentement et elle a une excellente hygiène personnelle. Mais elle se pince encore pour y croire. Bon, écoute, très bien. Vas-y, Bénédicte, Brigitte. Je sais plus, peu importe ton prénom. Faisons des chiottes aussi. Toilettes. On va les faire ici.
Mais nous, on met pas n'importe quelle chiotte. On met des chiottes en or. Voilà. Ça, c'est pas très ratus. Merci Christopher. Pour le... les 6 mois d'avance, merci beaucoup. Avant la fin du September, infiniment merci. Tu peux aussi enregistrer des modèles de salles que tu peux du coup reprendre, peu importe le campus, c'est trop pratique. Mais t'as raison, il faut que je fasse ça. Tu as 100% raison. Je pense que la disposition est vraiment pas idéale. Je pense que comme ça, c'est mieux. Je pense même que je peux enlever ça. Voilà. Donc, sur Switch, ça galère. Apparemment, ouais, ça galère sur Switch. Bon, après, c'était peut-être pas mal d'avoir la rangée en plus. Un peu plus de plage, peut-être un peu radine. Hein. Pour avoir les lavabos. Hop, on va mettre ça ici. On peut mettre une poubelle dans le coin. Voilà. Peut-être, alors peut-être une plante dans les toilettes. Ok. Mieux d'avoir une grande salle ou plusieurs petits répartis? Ah ça, je sais pas. Je sais que moi, j'ai tendance à faire, tu sais, comme dans les Sims, tu vois. Genre dans les Sims... Faut jamais faire de trop grandes salles, c'est un peu le piège. Les débutants des Sims font toujours des trop grandes pièces, etc. Mais dans Two Point, on m'a dit que je pouvais ne pas hésiter, donc... Oh, un poster de savon, mais je le veux. N'oubliez pas de vous laver les mains, bande de crasseux. Voilà. Oh, il y a même un poster pour maintenir une position assise pendant l'acte. Pas mal. Très bien. Du coup, je pense que je vais l'enregistrer en modèle. Enregistrer en modèle. Je vais l'appeler toilette. Je vais l'appeler chiotte de luxe. Voilà. Donc ici, WC. Très bien. Et je vais faire... juste, je vais mettre des... Tu vois, des machines... Que les étudiants dépensent leur argent chez moi. Hop. Je vais mettre quelques bancs. Pour qu'ils attendent... En dehors des cours. Voilà. On peut mettre aussi une petite fontaine à eau, pourquoi pas. On peut aussi en mettre une ici. Et puis, on peut leur mettre des stands aussi.
pour qu'ils adhèrent à un club. Donc marche à pied, stand de sieste, la vida loca. Ça marche, Giuliano. Des bisous. Merci d'être resté. C'est ouf ces chauffages là. Ça, je fais tout le temps ça aussi à l'entrée du campus. Je mets des casiers. Voilà. Hop. Un peu de déco. Je pense qu'on va pouvoir lancer l'année comme ça. Ça sera déjà ça. Rigueur, un petit stand de café, tu vois, pourquoi pas. Voilà. Et on va du coup embaucher un concierge. Alors, on a le choix entre Miles Proutprout, Greg Amethyst, Jeff Dogflood et Damon Pumps. Miles Proutprout a une excellente hygiène personnelle, il se déplace plus vite que la majorité. Donc on va demander à lui de faire cet emploi. Et on va demander aussi à un assistant de tenir le truc de café. Donc lui, il se déplace vite, elle apprend vite. On va demander à Timmy, de venir ici. Et en plus son nom est hilarant, hein, qu'on se le dise. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer l'année comme ça. Et j'ai envie de vous dire, yo fucking loud, dude. On construira le reste pendant l'année. Allez, commençons. Commençons la nouvelle année. Très bien. Pendant que les étudiants arrivent, le niveau de campus est déterminé par la qualité et la quantité des étudiants. On va faire en sorte qu'il y ait une salle de tutorat, parce que c'est très important. En général, c'est des petites salles, tu vois, genre on pourrait faire ça. Non, c'est trop grand. Essayez de moderniser votre campus en formant votre personnel et en améliorant votre équipement. Construisez une salle de formation. Ah, une salle de formation. Il faut que ça soit 4 par 4. Voilà. Ah oui! Ah oui, 4 par 4, ils sont gentils, ça tient pas trop. Il y a une petite lampe cosy. Une poubelle. Waouh, regardez, il y a un tapis canard. Franchement, que demande le peuple? Bye, Emdal. Ça marche, travaille bien, du coup. Utiliser une salle de formation pour développer... Ah oui, ils veulent des lits, mes étudiants. Former un concierge en mécanique, il pourra améliorer notre équipement. Former un concierge en mécanique. Attends, j'arrive. Oh, merci Goto! Salut! Merci beaucoup pour le raid! Bienvenue, vous faisiez quoi? Moi, je suis en train de former Miles Proutprout à la mécanique. Voilà. On joue à Two Point Campus, qui est un jeu de gestion par les mêmes développeurs que Two Point Hospital. Et c'est très cool. Et là, il faut que je fasse un dortoir pour mes pauvres petits étudiants qui ont nulle part où dormir. Voilà. C'est tout ce que j'ai, en fait. Hein. Vivement que j'agrandisse. Du coup, je vais faire... résidence universitaire. Voilà.
J'avais fait un truc avec des murs qui n'étaient pas immondes la dernière fois. Je crois que j'avais fait comme ça. En fait, faudrait limite que j'aille chercher mes modèles que j'ai fait dans mon autre partie pour pas pour trop prendre la tête. Toujours une valeur sur Ultia pour un raid. Merci, c'est gentil. Coucou, bienvenue en tout cas. Vous écoutiez les news jeux vidéo. Alors, quelle est la news qui vous a marqué du coup? Est-ce que vous avez parlé du mec qui a refait carrément 40 mondes de Super Mario dans Super Mario Maker? Pourquoi? Voilà. Sortie de The Spirit and the Mouse sur Switch avec une souris toute mimi. Alors oui. Justement, moi j'ai vu hein, ce jeu, j'ai vraiment envie d'y jouer parce qu'il a l'air incroyable. Ouais. Je vais mettre deux placards. La musique s'est arrêtée, le jeu en a marre de moi. Il se dit que je suis trop lente. Les prochains jeux des devs de Subnautica. Ah oui, comment ça s'appelle? On a Madame Mime dans le chat qui a travaillé sur ce jeu. On l'a vu tout à l'heure, c'était Moon Riders. Moon quelque chose. Moon quelque chose. Est-ce qu'ils vont réussir à tout se passer comme ça, vous pensez? Moonbreaker. Moon un truc. Une petite... voilà, une petite plante. Un petit gel hydroalcoolique. Et voilà, mon dortoir. Tadam! Je pense que je peux mettre une deuxième fenêtre. Hop. Ricky here, bringing you a morsel of the day. We all like a boiled egg. Ok. Wouldn't you love one on the go? Voilà. Bon, c'est petit pour l'instant. Je pense qu'on augmentera. Combien j'ai d'étudiants là? J'en ai... Regardez, j'ai 15 étudiants et donc c'est un lit pour 5 étudiants. Donc, il me faut 3 lits. Ok. Jusque là, on est bon. On a bien assez. La partie personnalisation des peintures. Des peintures dans quoi? Regardez, genre là, je peux changer en vrai. Je peux mettre ce truc, mais c'est un peu bariolé quand même. Et en sol... c'est toujours un peu kitsch en fait, hein. La douche n'est pas nécessaire, mais pas socialement. Ok, j'ai formé un membre de mon personnel. Très bien. Et du coup, il me faudrait une douche, justement. Une salle d'eau. Pour que mes étudiants puants se lavent. Attends, je veux l'agrandir. Voilà. Ok. Je mets toujours les mêmes lits, je trouve les sols et murs moches même quand je les change. Ouais, ouais, bah pareil. Same shade. Thank you.
Là, j'arriverai jamais à en mettre deux. Hop. Écoutez, ça peut le faire. De toute façon, ils se douchent jamais. Tout le monde pue à chaque fois. Voilà. Ouais, genre, j'aurais bien aimé faire en sorte que ça... ça soit aligné comme ça, mais du coup ça tiendra pas. Tu peux faire des petites séparations et c'est sympa. Même sympa, hein, cette histoire. Yes, I've been in a book club since I was a boy, and this is my fifth attempt at the salty. Oh, propre. These first books, I really do struggle with the language. In fact, I think the only words that are the same are salty and minstrel. You think it was enough? Par contre, pour demander des événements pour faire la fête, là, il y a du monde. Oh oui, c'est ça. Ils se lavent pas, par contre, ça fait la teuf. Hein. Pas mal. Ok, très bien. Du coup, dans cette pièce, est-ce que j'ai un autre truc à mettre? Peut-être mettre deux lavabos comme ça. Avec un séchoir. Voilà. Ça me paraît pas mal. On peut mettre le gel antibactérien ici. Mettre une poubelle dehors. Les douches ne sont plus alignées. Écoute. C'est pas flagrant. Students are reminded to find themselves. En face des lavabos. Oh, ça va, t'abuses. Franchement. T'abuses. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ils vont pouvoir se doucher, les puants. Et la bibliothèque, c'est super important, en vrai. Juste, je pense que je vais pas la mettre là, parce que je pense qu'on va devoir agrandir le dortoir. Donc on peut la mettre là. Et du coup, la bibli, il nous faut... Hop. Ça, c'est le stand de la personne qui travaille ici. Voilà. C'est mis n'importe comment. Des bisous, Punkimo. Merci d'être resté. Voilà, bibliothèque. Et puis, ben après, je sais pas trop, c'est en fonction de ce qu'ils veulent aussi. Hop. De toute façon, ils vont demander un truc pour faire la teuf. Ah, excusez-moi. No, that is funny. I'll be laughing until next time. Fare thee good and fare thee well. A good night. Skills are non-transferable.
announcement. Hitting the books doesn't mean what you think it means. Re. Il tient qui frise IRL. Donc, on en était où? Il nous faut quoi? Des box d'études. C'est ça. Coucou Julie. Salut. Je pense que ça, on peut décaler. Voilà, écoutez, pour l'instant ça va le faire, il y a de la place pour mettre tous les trucs d'archives et tout. Merci Connie, c'est gentil. Un concierge formé en mécanique peut améliorer certains éléments. Les éléments améliorés augmentent le prestige de la salle et le rythme de gain d'expérience des étudiants. Pour améliorer un élément, sélectionnez-le et utilisez améliorer. Améliorer projet robotique. Projet robotique, c'est ça? Waouh! Regardez, ils sont trop forts! Ok, du coup, j'ai lancé l'amélioration. Ce petit coin, là, je pense que je vais l'agrandir. Pour qu'il fasse partie de ça, là. De ce truc. Ah oui, j'ai personne qui travaille dans mon CDI, là. Assistant. Rose. Elle est pas mal, elle est pensée positive, soin de pensée positive, et elle fait de la gestion de bibliothèque, donc je pense que c'est le profil parfait, ma chère Rose. Mais elle a une petite vessie, mais c'est pas grave, elle est à côté des chiottes. Bye Tabi, des bisous. Merde, j'ai vendu des toilettes sans faire exprès. C'est bon. Alors... panneau de marche rapide. Vas-y, je vais te le placer, ton panneau de marche rapide, pour avoir de la visibilité pour ton club, là. C'est bon? T'es content? Mouton fatigué. Alors ça, c'est les gens des clubs, ils ont des demandes spécifiques. Du coup, ils veulent qu'on place de la déco, des trucs comme ça, quoi. Oh non, j'ai lentement mais sûrement développé des sentiments romantiques envers une personne proche. C'est la vie, pas vrai? Oui, c'est la vie. Tu veux que je mette le banc de l'amour, du coup? Est-ce qu'on mettrait pas le banc de l'amour dans la cour intérieure? Tiens. Je me rends tous les jours au département recherche de Bungle pour tenter d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est quand on arrête d'apprendre qu'on commence à s'abrutifier. Et sacrétinir. Construire le laboratoire de recherche. Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Un poster de chauve-souris? J'ai entendu dire que Mona Sattames des accordéments en avait un. Du coup, il nous en faut un à nous aussi. D'accord. Tiens. Un peu émo, ce poster. Envie d'aller au banc de l'amour avec mon Ratus préféré. Envie de m'installer sur le banc de l'amour. Eh ben, c'est bon. T'en veux un là aussi, poster? Ok. Très bien. Education is non-refundable. Trop bien. Le banc de l'amour à côté des douches, comme ça, d'une pierre deux coups. Oh. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a zéro fun? S'ennuie. Meryl Plum. Excuse-nous, hein. Regarde, pourquoi tu t'ennuies? Ça a l'air super intéressant, en plus que te raconte Béatrice Spong. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il s'ennuie. Faut que je fasse un laboratoire de recherche, déjà. Déjà, laboratoire de recherche. But first, let me take a selfie. On peut mettre le labo ici. Ok.
On peut mettre ça là. Ah, je pensais que j'allais pouvoir mettre des trucs marrons ici, mais en fait, non. C'est un peu grand pour rien. Bon, peut-être qu'il y aura des améliorations à faire aussi. J'ai un peu de kudos hein, quand même à dépenser. Genre, je vais le dépenser pour ça. Waouh, je vais le mettre dans toutes mes salles. Celle-là, je peux le mettre. Je peux même pas le mettre dans celle-là. Je suis abattue. Ok. Peut-être que ce que je peux faire... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je peux peut-être faire ça. Et par conséquent, mettre ça, genre là. Attends. Oh merde, je l'ai vendu sans faire exprès. Ça. Non, c'était pas ça? Si, non, c'était ça. On met ça dans le coin. Et du coup... Ça ici. Et on va pouvoir enlever tout un truc là. Voilà. Oui, bon, on va serrer, ça va marcher, regardez. Hop. Hop. Et hop. Je vais même faire ça comme ça. Ça sera plus joli. Les tables sont pas du tout alignées, c'est stressant. Tu dis pas c'est qui ton ratus préféré, madame? Ah, lui, il a du fun en regardant le poster. Bah, dis donc, c'est vraiment qu'il s'ennuie, les pauvres. Faut que je fasse quelque chose. Embaucher 2 employés pédagogues. Bah, il me semblait que c'est ce que j'avais fait. Ah oui, mais là, il m'en faut un pour cette salle-là. Linda Prout-Prout. C'est sa sœur ou sa femme? Vessie de fer. Confort des toilettes diminue plus lentement que la majorité. Traînarde se déplace plus lentement, laisse tomber ses déchets. Et après, ou alors il y a Tommy Bubble qui est payé moins cher, mais ouais, mais il est que un en robotique alors qu'elle a les deux, Linda. En plus, elle s'appelle Prout Prout, donc bon. Terminer le projet recherche bibliothèque de robotique. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, il veut une guitare néon. C'est vraiment cool. Ouais, bah si tu veux, hein. Je vais le mettre, je vais l'installer dans... Bon, je vais le mettre là en attendant, mais je vais l'installer dans leur salle de fun. Le projet de recherche de bibliothèque de robotique. C'est quoi? Projet de recherche bibliothèque de robotique. Développer une liste de lectures étendue pour la formation de robotique avec des livres comme Vision laser et Pigeon hydraulique et naviguer sur la toile. Allez, go! On va mettre cette fenêtre là, ça sera plus sympa, non? Ah, là, je peux pas la mettre de fenêtre. Je suis en pleine session pêche sur Animal Crossing en même temps. On est sur un très bon de semaine, début de semaine. Oh, tiens, ça me donne envie d'attraper les poissons que j'ai pas pu attraper sur Animal Crossing. Bibliothèque de robotique. Ah, très bien. Je savais qu'il fallait pas trop que je mette de trucs dans cette pièce. On allait avoir d'autres trucs. Bye Octolix. Bon courage pour ton train.
soutient la bibliothèque de robotique. Votre campus est désormais un institut de l'innovation doté de la certification Bungle. En résumé, super! Vos étudiants vont peut-être bien finir par le construire, ce robot, qui l'eût cru? Ouais, il est reparti de zéro, là. Il y a 6 projets de recherche disponibles auxquels notre personnel enseignant peut contribuer. La recherche universitaire permettra d'améliorer notre campus. Ça, c'est pas très gratuit. Merci Fideo pour le 26e mois. Lancer un projet de recherche. Formation de culture, projet robotique 3. Faisons ça. C'est la première fois que je fais ça, là, les projets universitaires. Je gagne des sous. Mes étudiants, ils en sont où? Circuit imprimé. Je sais même pas si j'ai assez de cudoche, hein. Ah putain, j'ai assez de cudoche, c'est incroyable. Waouh! Incroyable ce circuit imprimé, ça donne envie. Ça augmente l'attrait. Tu peux former tes profs à la recherche pour que ça soit plus efficace et que tes projets aillent plus vite. Alors, du coup, mes profs... Mon personnel... Béatrice. Former. Voilà, on va augmenter sa robotique. Ah mais trop bien. Étudiants, personnel. Et Linda. Elle est déjà forte en robotique, Linda, mais elle travaille à la recherche. Je compte parmi les pros de la glande, mais je vois avec l'ambiance est morose ces derniers temps. 100% des étudiants s'ennuient. Oh, ça va! Linda, en recherche. Salut Erwen. Certains recherches te font débloquer des éléments pour tes salles. Ok, nice. Faut juste que je mette du fun. Syndicat? Foyer? Les deux en fait, mais j'aurai jamais la place. C'est vrai que cette cour est infernale. Ok. Vu la place, plutôt le foyer, le syndicat, ça prend masse place. Ok. The more you revise, the longer you've been revising. Ok. Robot, ce frigo smeg rose. Des fléchettes. Et ça, c'est pour faire la teuf. Ah oui, il y a même une salle d'arcade. Je peux peut-être mettre... les machines... Ici. Et ici. Et peut-être remettre des bancs. Oula. Ah oui, ils avaient vraiment besoin de fun. C'était imminent. Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid? T'es gelé? Radiateur d'extérieur. Ça caille ici, je sens plus mes coudes. Certains étudiants commencent à avoir trop froid, installer des radiateurs pour garder les gens au chaud.
Ah, ok. Oh là là. Mais le, avec le prix que ça coûte, c'est des ouf. Ça, c'est pas très ratus. Ok. Salut Yatsu, merci pour le 11e mois, merci beaucoup. Je sens plus mes coudes. Non mais pas de chauffage dans la chambre. Ah, c'est la fin de l'année. Je sens plus mes coudes. Ok, cette année est déjà terminée, ça s'est passé très vite. Le mec a attendu que les étudiants aient froid pendant un an. 100% taux de réussite, bravo. Ouais. Tout le monde continue. Linda Prout Prout a beaucoup contribué à la recherche, bravo à elle. Et le prix du campus de l'année, 67% d'attrait d'environ, d'environnement moyen et prestige moyen des salles, 5. Ouais, tout le monde a réussi, bravo! Vous avez réussi, vous avez construit un robot sans rien d'autre que les installations et le financement disponible et tout ça dans les délais en partie, je sens l'inspiration. À dire vrai, j'ai dessiné les plans d'une salle de conception robotique. Avec un peu de chance, votre prochain robot pourrait être encore plus génial. Les étudiants ont besoin de l'élément box de lecture pour un devoir. Je vais le mettre. J'étais en train de mettre le chauffage. Voilà. Ah, mais si je le mets là, il n'y a pas de chauffage. Ça chauffe pas très bien. Hein. Voilà. C'est bon ? Genre là. Ok, là, ils vont avoir froid. Ils ont froid de ce côté-là de l'amphi. Si je le mets là, j'y pepe. J'ai pas de place pour mettre mon chauffage ici. Ah, c'est pas mal. Chauffage dans les chiottes, c'est royal. Tu restes 30 ans. Ouais, le fun. La fête de la pêche. Franchement, c'est pas ouf, hein, tous ces sols et tout, là. Pourquoi t'as froid? Dans les couloirs aussi? C'est trop. Oh, ça va. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'avoir chaud partout non plus. À la fac, il fait froid, hein, c'est la vie. Hein. Franchement, c'est comme ça. Hein. Faut s'y habituer. Hein. Alors, le box de lecture. Moi, je disais rien. Hein. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a remonté un tweet de moi qui date d'il y a super longtemps, qui dit genre OMG, à Lyon 3, vous êtes des radins, vous mettez pas le chauffage. À la fac, il fait froid. Ils mettent pas le chauffage, c'est tout. Lyon 3 approuve tes propos. Mais c'est vrai, ils mettent jamais le chauffage. Lyon 3 approuve, mais oui. Tuition fees are expensive. An education... Gérer les formations. On va mettre une formation en... Oh. C'est bon, non, on n'a pas besoin de plus. Est-ce que je remets une nouvelle formation ou est-ce qu'on reste, est-ce qu'on reste concentré sur la robotique? C'est ça, non, qu'il faut faire. Mais ouais, franchement, à Lyon 3, il fait trop froid. Hein. Les amphis A et B, les pires. Tain, mais moi, j'étais gelée, je me rappelle. Bon, bah, je crois qu'on est bien là. Commencez la nouvelle année. Il y a beaucoup de ratus lyonnais. Ah. Conception robotique. Je balance aussi l'unif de Valenciennes, c'est la même. Personne n'y est à cette unif. Prérequis, conception robotique. Ah merde!
J'ai oublié les prérequis. Conception robotique. Mais j'ai plus de place. Faut que j'achète le brand new bâtiment. Ok. Tu comprends pourquoi j'ai ragé sur la cour intérieure? Ah oui, oui, bah de toute façon, j'ai compris dès que tu m'as expliqué. J'ai tout de suite capté que ça allait être compliqué. Aussi le chauffage. Voilà. Très bien. Voilà. Ils sont immenses ces chiottes, c'est un palace. En vrai, il est possible de l'enlever, la cour intérieure. Mais c'est ce que je me suis dit en la voyant. Mais bon, c'est un petit défi. Bon, faut pas chier dans la colle non plus, hein. Voilà, je préfère avoir une plus grande bibliothèque. Et des toilettes avec une forme rigolote. Très bien. Salut Marianne, petit rappel, vous êtes des ratus incres, ulti à trocaler les articles dans la boutique, mon chocolat chaud dans la tasse ratus, c'est un doux plaisir. Oh, me dis pas ça, j'ai envie de me faire un chocolat maintenant. Pédagogue en robotique. Encore un? Oui, vu que j'ai fait une nouvelle salle. Orlando Patio. Confort des toilettes diminue plus lentement que la majorité, mais il est à côté des chiottes. Il a travaillé dans un hôpital, bouche sèche, facilement soif. Vessie de fer. Ah, Ellie, je sens que, que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Tiens, va faire une formation de robotique encore. Toi aussi, Béatrice. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Miles. Voilà. Ok, donc ça, c'est good. J'ai fait former tout le monde et maintenant je vais regarder, je pense qu'il me faut un deuxième concierge. Genre Kimi est pas mal. Parce qu'il a les deux compétences. Et on va regarder mes étudiants qui sont en galère. À tous mes étudiants en galère. Qui ont des mauvaises notes. Mélissa. Bah ouais mais Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour ça que t'as des notes de merde. On va faire une salle de tutorat tout de go. Voilà. Petite plante. Elle est toute petite. Voilà. Peut-être que je pouvais la mettre genre... là. C'était plus pertinent. Ok, du coup maintenant il me faut un prof de tutorat. Tiens. Et toi, il va falloir que je te forme. C'est toi, Oni Peach? Ouais.
en tutorat. Voilà. Très bien. Tu vois, Oni est hygiénique. En plus, elle vient de se mettre du gel. Et donc, Cressida Pigmento... C'est quoi ce nom ? La statue de l'amour. J'ai lentement mais sûrement développé des sentiments romantiques envers une personne proche. Vous voulez une statue de l'amour ? Je vous mets une statue de l'amour. En plein milieu de cette cour intérieure. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Relevé doute. J'ai vraiment apprécié le concept de la marche aussi. Je me suis dit que je vais vous écrire et m'essayer à l'art de la discussion. Bonjour. Bonjour. On va mettre ça là pour qu'il puisse faire les débiles. Cette nuit, je rêvais que mon chéri était prof et il avait plein d'élèves ratus du chat. Je pense à ça maintenant, vite mon cerveau. Ah oui, bah grave, les rêves, parfois, ça rip-hop comme ça. J'avais complètement oublié. Voilà. Soit vous avez un cours de sieste, soit vous avez un cours de marche rapide. Elle est très bien, cette fac. Petit tutorat, regardez, bam. Mes étudiants qui sont nuls. Je ne vous shame pas, mais Mélissa va faire du tutorat. Dolly, tutorat. Jezabel, tutorat. Kensington, on anticipe, tutorat. Gasolina de Daddy Yankee, tutorat également. Cours de sieste, le rêve. Terminé deux projets de recherche. Vous avez froid ? Je pense que je vais mettre la poubelle ici et le radiateur là. Ça devrait couvrir un peu plus. Ah non, ça marche pas. Ah mais tu peux le mettre comme ça en fait. Attends. Ah ! J'ai pas fait exprès ! Attendez ! Non, revenez en cours ! Excusez-moi. J'ai pas fait exprès. Je voulais juste mettre un chauffage parce que vous me saouliez de base à cause de ça. Oh. Il y a un problème, le pupitre. Pupitre. Voilà, c'est bon, revenez en cours. Chômage technique. C'est bon, revenez en cours, regardez. Ça reprend, ça reprend. Terminé deux projets de recherche. Emploi du temps. C'est ça, projet de recherche? Non. Construisez un laboratoire de recherche, sélectionnez le centre de recherche et sélectionnez lancer un nouveau projet. Laboratoire de recherche. Il est où mon pédagogue? Mais j'ai assez de pédagogues normalement, non? Ah bah il y a un projet de recherche en cours visiblement, mais il n'y a pas de pédagogue. Charlie ? Mais c'est quoi ces notes ? Chloé ? Oh là là ! Merci Ninote Nat pour le 20e mois. Merci beaucoup. Bon, on dirait qu'il n'y a plus de... pas assez de pédagogue, je pensais pourtant. Bizarre. Le Angus, excellente hygiène personnelle et il se déplace vite. Vas-y, 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 dépêche-toi. Mais j'étais convaincue que mes profs, bizarre. Former trois membres du personnel. Oui, oui, bah oui, oui, va en tutorat. Chloé de la nuit.
Oh, échec critique. On va la rename. Veux un tutorat? Bah oui, oui, bah vas-y. Go, go for it, girl. Ok, donc ça, je suis en cours de formation, hein. Voilà. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être elle, la prof, qui se forme, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de prof ici. Salut, Steam Soul, merci beaucoup, c'est gentil. Merci mille fois. C'est adorable. On va mettre de la déco de geek. Je veux un tapis. Tapis violet. Avant, il était couleur crème. Ah, ça me dégoûte un peu. On va le mettre. Dans la chambre. Return to the hospital. Thank you. C'est nul. Voilà. Avant, il était couleur crème. Bon. Regardez comme c'est fun, ce foyer étudiant. Fête au foyer étudiant. Mais bien sûr, faites une fête, évidemment. C'est moi qui régale, il n'y a aucun problème avec ça. Débloquer le tapis disque. Ah bah on vient de débloquer le tapis anciennement couleur crème. On peut pas tout faire non plus. On débloque le tapis disque. Poster de robot. Non mais c'est ouf, on a plein de cudoches alors qu'avant on en manquait tout le temps. Magnifique poster de robot ici. On va mettre un magnifique poster de robot. Ici. Ah, salle non valide. Bon, on peut pas mettre des posters de robot partout non plus. Hein. On va pas déconner. On peut mettre dans les toilettes? Non, dans la bibliothèque, oui. Terminer deux projets de recherche. Box informatique. Il me semblait en avoir déjà placé. Ok, pas très aligné, c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plein de trucs. Box des archives. Oui, je vais le faire, je vais le faire. Ah, ça rentre pas ici? Oh, dommage. Voilà. Relever novembre, mais je suis en déficit en fait, c'est horrible, non? Nécessite syndicat des étudiants. Oh, j'ai pas la place. Je vais pouvoir en faire un là. Henri au travail au rapport pour contrôler vos protocoles de sécurité et d'hygiène. Oui, allez-y, regardez. Combien j'ai d'étudiants là? Je vais plus avoir assez de lits en fait. J'en ai 30. Ah mais c'est horrible en fait. Projet robotique 2. J'améliore. Il t'en faut 6. Bon. Ça va être vite horrible, je pense. Lancer un projet de recherche. Centre de recherche 2. Commencer la formation.
Bah, j'en ai plein qui ont des formations à faire de toute façon. J'ai envie d'y rejouer, c'est trop bien, c'est trop addictif. Inspection en cours, une salle de repos. Ah oui, c'est pour mes profs la salle de repos, c'est vrai. En vrai, je peux la faire là. Voilà. Un couloir de repos. Non, mais ça va aussi. Ils sont privilégiés, ces profs. Elle est énorme, cette pièce. Bon, là, c'est horrible, en fait. Faut que je rende ça plus petit, parce que sinon, ça me crée des nœuds au cerveau. Voilà. Voilà. Ouais, ils vont pas se plaindre non plus. Puis quoi? Puis quoi encore? Syndicat des étudiants. Je vais le faire, je vais le faire. Regardez, je fais la salle de repos des profs avant le syndicat étudiant. C'est dire à quel point je suis dévouée. At Milkmaid, we use real dairy style ingredients in our milkshakes for a level of consistency. Voilà. Is it natural? Non, je pense que je vais faire. Meaning that every glass of Milkmaid comme ça. Is eerily similar to the last. Milkmaid. Now comme ça. Good milk. Pendant que la petite radio avec la vache. Elle va pas se plaindre de la chaleur non plus. Puis quoi encore? Enfin, de la fraîcheur, pardon. Elle est trop belle, la salle des profs. Voilà, regardez la belle vie. Est-ce que la table passe? Comme ça. Comme ça uniquement. Une petite lampe. Voilà. Merde. Research project complete. Aren't you clever? Ok. Allez, dépensez vos sous. C'est magnifique. Franchement, sublime. Que demande le peuple? Elle est incroyable. Ah, c'est bon, je suis en bénéfice, tout va bien. Poster Android. Bien sûr que je vais le faire. Regardez votre petit poster d'Android. Ouais, je suis trop sympa en vrai comme directrice. Bon, on rappelle que c'est pas dans toutes les salles, bien sûr. Inspection de santé. Note excellente pour son évaluation. D'autres campus plus insalubres s'inspireront certainement d'une autre. Il était temps. Apparemment, cela n'arrive pas souvent à monsieur au travail de terminer une visite sans avoir la nausée. Bon, alors maintenant, il va me falloir construire la salle. Le syndicat. Mais je pense qu'en fait, il faut que je paye ça. Ouais. C'est mieux. Comme ça, je mets tout ce qui concerne les étudiants dans l'autre bâtiment. Et ici, je me concentre sur...
sur les études. Ils sont en train de se geler pendant la douche, je suis désolée pour vous. Merci Ruru pour le 21e mois. Je suis revenue de vacances pour vous jouer un mauvais tour et accessoirement donner mon abonnement. Merci Ruru. Merci beaucoup, j'espère que c'était bien les vacances, ça avait l'air incroyable. Tiens, allez, c'est vraiment parce que je suis trop sympa comme meuf. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut un McDo? S'ennuie, petite faim, fatiguée. Ah, vous voulez... Pourquoi il n'y a personne qui travaille ici? Ah, parce qu'il est en train de se former, non? Oh non, il n'y a personne qui se forme. Oni, le tutorat, là, niveau 0, c'est la crise, en fait. Mais pourquoi il y a juste un assistant pour la bibliothèque et un assistant pour le café dehors? Pourquoi ils me disent que j'ai pas mon assistant là? Je comprends pas, il est où mon personnel? Tiens Charlie, va au tutorat. Mélissa, aussi. Jezabel, tutorat. Il est en pause, je m'en fous! En fait. Mon personnel. Rose. Elle est aux chiottes. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Elle ne fait rien. Et Timmy? Mais Timmy, t'as rien à faire ici? Timmy? Toi, tu vas là? Rose, elle va à la bibliothèque. Dépêche-toi. Dépêche-toi de t'aimer. Ok. Ça travaille dur. Stand à légumes. Allez! Un stand de légumes. Et puis quoi encore? Bon, il me faut vraiment le syndicat. Arbre généalogique. Oui, vas-y. Je te l'offre. Oh, mais c'est un beau poster, ça. Dans la bibliothèque, notamment. Ah, je peux pas le mettre dans la salle de tutorat. Pas de place pour de poster fancy. Une autre salle de tutorat, maybe. Il faut d'abord que je fasse le syndic. Genre là... Waouh, j'ai acheté tout ça, c'est énorme. Non, j'ai mis rejeté, je voulais pas faire ça. Désolée. Comme ça, je peux pas le placer. Mais c'est énorme tout ça.